Attends, je te fais pas les vides. Je suis trempée et il me faut une place pour ce truc. Ça va ? Tous ceux qui sont encore debout ne rentrent pas au droit buffet. J'ai encore entendu là-bas. Non, vous n'aurez pas le droit de manger si vous ne vous asseyez pas. On va commencer pour parler Paris-Brest-Paris 2023, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, sur cette deuxième partie d'après-midi, séquence Paris-Brest-Paris 2023, 20e édition, comme Luc l'a rappelé tout à l'heure. On avait une réunion de travail ce matin et je disais qu'on allait devoir gérer des petites anomalies, qu'on allait faire des erreurs dans l'organisation de ce Paris-Brest-Paris. Ben, ça commence dès cet après-midi. Jusque tard dans la nuit, ma présentation pour PowerPoint était nickel. Et là, c'est tout écrasé. Alors, on va gérer les erreurs. Hein. C'est parti, on est en mode projet, on va gérer les erreurs. Merci d'être parmi nous cet après-midi pour qu'on ait l'honneur de vous présenter l'organisation de ce Paris-Brest-Paris 2023. Merci à l'Audax Club parisien de m'avoir fait confiance dans cette mission que j'accomplis aux côtés de tous les dirigeants de l'Audax Club parisien. Tous ensemble, on va faire en sorte de livrer un très très bel Paris-Brest-Paris 2022. On a plein d'opportunités de le faire, donc on va essayer d'appuyer sur tous les boutons pour le faire au mieux possible. Allez. Fil conducteur de cet après-midi. Ben voilà, je vais traiter tout de suite. Aujourd'hui, je ne suis pas un acépiste. Je suis impressionné par les dizaines de milliers de kilomètres dont on a eu l'exposé tout à l'heure. J'ai honte. Je suis loin de faire tout ça. Et j'interviens donc dans un rôle de cheville ouvrière opérationnelle auprès des dirigeants de l'Audax Club parisien pour organiser ce superbe événement. On va voir un petit peu pour piloter un projet de cette envergure, parce que je considère que ce Paris-Brest-Paris fait partie du patrimoine français, c'est un élément fort du panorama sportif en France. Il faut commencer à mon sens par définir une stratégie. On verra comment on a travaillé pour définir les bases, les fondations de cette randonnée. On vous fera un point d'avancement. On en est où aujourd'hui? On est à 8 mois du départ. On en est où? On est en retard, on a des craintes, on a des points de vigilance à aborder. Bah oui, on en a. Donc on fera avec vous un point d'avancement. On a, et je les remercie beaucoup, on a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui nous accompagnent d'ores et déjà sur le projet. Certains d'entre eux sont dans la salle, je les remercie beaucoup. Et je les inviterai tout à l'heure, et quelques-uns auront un petit mot à vous dire. Parce qu'il faut savoir que ces gens-là sont pleinement engagés à nos côtés. Qu'ils soient institutionnels, élus, prestataires, amoureux du Paris-Brest-Paris, sont à nos côtés. Ils portent le projet à nos côtés, et ça, c'est extrêmement important. Philippe, qui est derrière moi, vous présentera après le parcours. Alors vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Il connaît tous les endroits sur les 1200 et quelques kilomètres, Philippe, où il y a un dos d'âne, où il y a une écluse, où il y a un tourne à gauche dangereux, où il y a tout ça. Il connaît tout. Voilà.
Et puis l'Audax Club parisien finira cette présentation pour faire un petit focus sur le chapitre inscription et puis sur le côté réglementaire de Paris Presse Paris. Et puis si on ne vous a pas trop fatigué, ben vous aurez la possibilité de discuter avec nous au cocktail ensuite. Alors la stratégie, c'est quoi? On a un maître d'eau, un maître mot sur ce Paris-Brest, c'est la sécurité. On ne transigera pas avec la sécurité. Donc on va déployer un certain nombre d'actions qui vont garantir la sécurité, en premier lieu des participants, mais aussi des bénévoles et de tous les publics qui vont être présents sur le Paris-Brest-Paris-Randonne. Le monde entier, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, Jean Galbert l'a signalé, le monde entier fait du cyclotourisme, le monde entier va nous regarder pendant ce Paris-Brest-Paris-Randonneur. On se doit d'accueillir du mieux possible les participants. Il y a plein de randonneurs du monde entier qui viennent, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, ils viennent consommer la France. Ils viennent faire leur Paris-Brest-Paris et ils vont rester, pour un certain nombre d'entre eux, 3 semaines sur le territoire français. Notre rôle, c'est d'avoir le sourire et de savoir les accueillir. On entend beaucoup parler de l'érosion du bénévolat. Il faut qu'on sache valoriser le bénévole. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre pour valoriser le bénévole? On va vous expliquer tout ça. Regardez ce qu'on fait quand on vient faire le Paris-Brest-Paris. On vient faire la fête. On vient faire la fête quand on vient faire le Paris-Brest-Paris. Donc nos amis américains, regardez en 2019 à Rambouillet, à quoi il arrive dans la poche du maillot. Et puis parce que c'est un sujet porteur et c'est un sujet qu'on doit vraiment respecter, le Paris-Brest-Paris, c'est un certain nombre de territoires qui sont traversés et on verra comment on articule ce Paris-Brest-Paris dans une version territoriale. Alors la sécurité, on vous en parlera. Les inscriptions ont été portées à 8000, donc il va y avoir encore potentiellement plus de cyclos sur la route qu'au cours des éditions précédentes du Paris-Brest-Paris. On a décidé, en Bretagne, de scinder, de ne pas avoir le même itinéraire à l'aller qu'au retour. Donc pour les connaisseurs, globalement, entre Tinténiac et Brest, ou Saint-Malo-le-Grand, Philippe, hein, tu me reprends, mais c'est Saint-Malo-le-Grand, il n'y aura plus de croisement de groupes cyclo. Alors on dit, oh, c'était peut-être chouette de se faire coucou, mais on ennuie quelque part les autres usagers de la route, donc, et d'un point de vue sécuritaire, on a décidé de scinder l'aller du retour. On garde les mêmes sites de contrôle, par contre, hein, mais entre les sites de contrôle, dans ce tronçon-là, ce ne sera pas le même parcours. Ce tracé, on ne l'a pas inventé de toutes pièces, en imaginant ça dans notre bureau, en train de travailler. On s'est appuyé sur, et je sais qu'il y a cet après-midi, 2 sites de contrôle qui sont parmi nous, 2 sites régionaux qui sont parmi nous, au moins, j'en ai pas vu d'autres, mais voilà. On a Fougères qui est là et Vilaine-la-Juhel qui sont ici. On garde les mêmes sites provinciaux. Et on a travaillé les parcours avec eux en se disant qu'est-ce que vous pensez de tel itinéraire si on passe par là. Voilà. Donc on a eu plein de conseils de leur part, on a eu beaucoup de discussions, et puis on a abouti à un tracé qui a été assez consensuel. On a souhaité améliorer le confort de progression des cyclos sur le périmètre de Rambouillet. Donc on a gommé tout ce qui était passage de pavés que certains ont vécu en 2019. Donc il n'y aura plus de tronçons de pavés sur Rambouillet et il n'y aura plus de progression des cyclos dans la ville de Rambouillet puisque, vous allez le voir tout à l'heure, on va s'installer dans le parc du château et on sortira et on rentrera directement, soit dans le massif, soit depuis le massif forestier, directement dans le parc du château. Donc un confort de progression amélioré sur le site de Rambouillet. Un événement comme ça ne se fait plus sans outils digitaux. Donc on est en train de s'appuyer sur un certain nombre de solutions informatiques pour piloter la randonnée, pour avoir des tableaux de bord et pour mieux réagir en cas de toute situation à gérer tout au long de la randonnée. Donc on va avoir de l'information qui sera saisie en temps réel par des acteurs de terrain au bord du tracé. Toutes ces informations-là, vous nous remontez et nous, ça nous permettra de prendre des décisions au niveau du PC central. L'accueil des participants. On a travaillé là encore avec nos sites régionaux. La vie du cyclo sur un site régional, c'est quoi? Il y a 2 segments dans la vie du cyclo sur un site régional, c'est le segment ACP. Et le segment ACP, c'est quoi? Je passe avec mon vélo sur le tapis, je me fais détecter,
je vais tamponner mon carnet, et puis je repars du site. Ça, c'est la vie cyclo-ACP. Et on a souhaité faire en sorte que cette vie soit optimisée. Alors, globalement, j'arrive dans un site contrôle, je ne veux pas me doucher, je ne veux pas manger, j'ai juste passage sur le tapis, tampon carnet, je repars. On a voulu que ce soit le plus rapide possible. Ça. Après, je vais me doucher, je vais manger, je vais me reposer. Ça, c'est la vie individuelle du cyclo, il fait ce qu'il veut. Ça concerne les équipes régionales, j'ai envie de dire, ça ne concerne plus l'ACP. On a visité les installations des sites régionaux. On s'est livré à deux reconnaissances de parcours en novembre 2021 et en octobre 2022. On a parcouru beaucoup, beaucoup de kilomètres en voiture. On est allé chercher des routes un peu partout, encore avec l'aval des équipes régionales. Et puis, ben voilà, on a fini par aller sur les sites des sites régionaux, regarder comment ça se passait, regarder un petit peu les différents scénarios. Et on a, bah on a fait progresser certains sites régionaux. Un petit clin d'œil à nos amis de Villaine-la-Juhel à qui on a dû supprimer des marches. Et voilà. l'accueil des participants sur le site de Rambouillet, on a fait pas mal d'efforts. Vous allez voir qu'on est dans un scénario totalement modifié par rapport à 2019 sur la ville de Rambouillet, sur le domaine rambolitain. Alors, ce sera la vie de château. Rambouillet. Tout à proximité du centre-ville, notre objectif, c'est de faire vivre toutes les populations autour du Paris-Brest-Paris et que cette manifestation ne soit pas réservée qu'à un périmètre de connaisseurs. Donc voilà, on sera à proximité du centre-ville, on va pouvoir faire pas mal de choses en collaboration avec toutes les activités, tous les événements festifs qui vont avoir lieu dans la ville de Rambouillet à ce moment-là. Donc voilà. Ça me paraissait important d'être là. On s'est tourné vers un certain nombre de professionnels de l'événementiel pour déployer nos solutions. Donc, il y a quelques prestataires, il y en a au moins un qui est là cet après-midi, que j'appellerai tout à l'heure. On va mettre en place des solutions événementielles tournées vers le monde sportif pour faire vivre le Paris-Brest-Paris sur le périmètre rambolitain. Et puis, on va concentrer un peu plus la vie du participant. Avoir moins d'une fois qu'il a posé son vélo, on va faire en sorte qu'il ait tout à portée de main. Donc le chapiteau restauration, vous allez voir qu'on fait un chapiteau événementiel, le podium, voilà. On va faire en sorte de tout concentrer pour que la vie du cyclo soit la plus agréable possible. Voilà. Voilà un petit peu quelques. On vous fera voir un peu mieux, mais globalement, voilà ce qu'ont donné les départs. Pour ceux qui connaissent un peu, là, on a le château dans notre dos. On a le château de Rambouillet dans notre dos. On va quitter. Le parc du château de Rambouillet en montant. Et pour ceux qui connaissent, on va repasser sous l'arche. L'arche qui va détecter le premier tapis, qui va permettre de détecter le premier passage, sera au même endroit qu'en 2019. On va descendre, on va quitter le parc du château par la grille de Versailles. On va prendre le massif forestier et direction ouest. Ça, c'est pour le départ. On est château dans le dos. Bien évidemment, au retour, on aura château devant nous. Et là, on a des magnifiques scénographies à faire sur le Paris-Brest-Paris. Si on réussit, par exemple, à faire éclairer la nuit de château, il n'y aura plus de stress, on sera passé sur l'arche, sur le tapis de détection en haut de la première allée que je vous ai fait voir tout à l'heure. On n'aura plus qu'à se laisser descendre tranquillement face au château. Et là, on peut imaginer des scénarios exceptionnellement beaux. Voilà un petit peu le schéma d'implantation. Donc, on est, voilà, vous voyez, ça c'est on a 3 hectares globalement dans la prolongation du château de Rambouillet. Comment est-ce que ça va vivre? Eh ben, on va mettre un village événementiel. Première nouveauté, on a envie de mieux gérer les médias, les partenaires, d'accueillir les sites régionaux sur des stands diversifiés. On a la volonté de donner une dimension événementielle nouvelle au Paris-Brest-Paris. Donc, on va implanter un périmètre événementiel. On va bien évidemment maintenir un espace restauration parce qu'on va quand même vous donner à manger. On va mettre en place un podium départ. Donc là, on est sur les 3 hectares. On va mettre en place des sanitaires et des douches mode événementiel. Là, on a imaginé un petit emplacement pour le traiteur qui va intervenir à nos côtés. On va mettre en place un bureau d'organisation
accès réservé, où on pilotera la randonnée à l'intérieur, mettre un poste médical, puis le parc à vélo. Donc théoriquement, au travers de ce schéma, vous voyez là tous les ingrédients et tous les services dont le cyclo aura besoin sur le site de Rambouillet pour vivre intensément son Paris-Brest. Donc comme je vous le disais, on s'en va vers la grille de Versailles, on monte, pour ceux qui connaissent, on laisse les bâtiments militaires sur la droite, on monte, on passe sur le tapis, sous l'arche, et on s'en va dans le massif forestier. Et puis, avant le départ, les contrôles de vélo se feront devant le château. Donc on a tout un scénario, on va faire progresser les sas vers le château, on va faire le contrôle des vélos devant le château, tampon sur les carnets, pour redescendre des sas, des groupes de cyclos, de 300 cyclos, vers le podium. Voilà. On veut scénariser tout ça. Alors les configurations possibles, ben justement, comment est-ce qu'on va scénariser tout ça? Comment est-ce qu'on va faire la fête? Comment on va envoyer l'opportunité de dire effet waouh sur le Paris-Brest-Paris 2023? Ben voilà un petit peu les chapiteaux sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui pour livrer les différents périmètres. Donc on veut faire du réceptif, on veut faire de la convivialité, on se donne les moyens de mettre en place des terrasses devant le chapiteau pour que tout le monde puisse profiter de l'événement, pour que le public qui est ni cyclo, ni concerné par le cyclo, puisse quand même venir sur des terrasses et voir toutes ces belles machines qui vont partir ou qui vont revenir et achever leur Paris-Brest-Paris. Voilà. On aura la possibilité potentiellement de faire un peu de branding sur le Paris-Brest-Paris randonneur. On verra quelle dimension ça prendra, mais il faut le savoir. La notion d'accessibilité PMR, bien évidemment, on l'intègre dans cette organisation. Le podium. On a souhaité trouver une solution de podium éclairée, sonorisée, équipée pour la vidéo et facilement manœuvrable. Voilà à quoi ressemblera globalement le podium du Paris-Brest-Paris 2023. Zone sanitaire douche, et vous verrez qu'on a notre prestataire à nos côtés cet après-midi. On va déployer des sanitaires et des douches complètement adaptées à la vie événementielle sportive notamment. Voilà. Avec des blocs sanitaires complètement adaptés, raccordables au réseau d'évacuation, facilement raccordables aux arrivées d'eau, etc. Voilà, ce sont des solutions qui aujourd'hui se pratiquent énormément sur tous les sites qui font de l'événementiel et notamment de l'événementiel sportif. C'est de la belle solution. Voilà, les douches. Valorisation du bénévole, sujet ô combien important sur le Paris-Brest-Paris. Pour ceux qui ont déjà lu la plaquette de présentation et qui ont lu ce que j'avais rédigé au sein de cette plaquette de présentation. Il n'y a pas de participant sans bénévole. C'est ce que j'ai dit à la plaquette de présentation, il n'y a pas de P sans B. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate aujourd'hui qu'on entend dire qu'il y a de moins en moins de bénévoles engagés dans le tissu associatif. On écoute tout ça et on s'est dit, on va regarder un petit peu au travers de différentes études qui sont faites, ce qu'est aujourd'hui le monde du bénévolat. Et on est allé s'appuyer sur une étude qui a été faite en 2019. On disait, quelles sont les principales satisfactions que vous éprouvez quand vous êtes bénévole sur des manifestations? Le premier point d'intérêt pour le bénévole, c'est d'être avec les autres. Et bien ça tombe bien, parce que justement, il dit, moi je vais être au contact et je veux profiter des échanges. Notre stratégie, c'est de dire, le bénévole, il doit être le plus près possible des participants. Il faut sortir le bénévole de ses activités. Je l'entends de temps en temps dire le bénévole les mains dans la gadoue. Eh bien, on va faire en sorte qu'en 2023, le bénévole ait le moins possible les mains dans la gadoue. Sa posture, sa position, se doit être dans le service dispensé aux participants. Voilà. La convivialité, ça, c'est presque un pléonasme quand on parle de bénévole. Deuxième point, il va dans l'action. Ça tombe bien. Et quand je suis dans l'action, qu'est-ce que je veux? Je veux être efficace. Je veux avoir en ma possession des éléments, des outils, des logiciels qui vont me permettre d'être efficace. Eh bien ça, on va le déployer pour répondre à cette attente. Le sentiment de changer les choses, alors ça c'est ambitieux. Faire progresser l'association, c'est pas le but du Paris-Brest-Paris, même si on espère qu'il va y avoir plein d'adhérents près de la CP, mais après le Paris-Brest-Paris, si on a réussi notre mission. Luc me juge au recrutement potentiel des adhérents au sein de son club après le Paris-Brest-Paris. Et puis le sentiment du devoir accompli, ça y est, c'est fini, je suis content,
parce que ça s'est bien passé, et puis globalement, je ne me suis pas trop planté quand même. Quoi. Et puis le troisième point, j'ai envie de me réaliser. Un épanouissement personnel, donc tac. Découvrir un environnement jusque-là inconnu, bah oui. On a mis en place une plateforme de recrutement des bénévoles. On voit apparaître des profils qui ne connaissent pas forcément le monde du cyclotourisme, mais qui ont beaucoup de qualités qui vont pouvoir nous apporter beaucoup de plus dans le déroulement du Paris-Brest-Paris. Voilà. Le plus, c'est quoi? Bah, je parle plusieurs langues. On a 70 pays représentés. Voilà. On ne peut pas se contenter de bénévoles qui ne savent parler que français. On a besoin de bénévoles qui parlent. Donc on a la remise de notation, des choses comme ça. On va utiliser les bénévoles. La reconnaissance sociale, d'accord. Tester des solutions innovées, bah, ça tombe bien. On teste des solutions technologiques. Et puis le moyen d'accéder à des responsabilités, eh bien on va mettre des capitaines d'équipe un peu partout. L'objectif, c'est que les bénévoles ne courent pas partout, structurer les équipes pour intervenir, pour faire en sorte, quand on fera nos débriefings quotidiens, qu'on ait des managers d'équipe qui nous remontent ce qui se passe au sein de leurs équipes. Alors comment est-ce qu'on traduit ça sur le Paris-Brest-Paris 2023, la satisfaction bénévole? Ben voilà, depuis le mois de septembre dernier, on a ouvert une plateforme de recrutement. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit comme bénévole, allez-y. Vous pouvez vous inscrire 24 heures sur 24. C'est un logiciel qui est en français et en anglais. Et vous renseignez vos disponibilités, vos domaines d'appétence, vos créneaux horaires sur lesquels vous souhaitez intervenir. Tout y est pour faire en sorte qu'on puisse collecter sereinement et de manière efficace les candidatures des bénévoles. Donc, ce logiciel est déployé pour gérer les bénévoles sur le site de Rambouillet. Donc, tous les bénévoles qui exerceront une activité sur le site de Rambouillet devront impérativement être identifiés sur cette plateforme. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Bah parce que, voilà, il y a des bénévoles qui travaillent, il faut se couvrir, il faut être des individus responsables. Derrière nous, on a un assureur qui nous suit sur l'événement. L'assureur, il a besoin de connaître l'identité des bénévoles qui sont impliqués sur l'organisation. Donc on en discutait avec les représentants de la fédération tout à l'heure. On travaille avec l'assureur fédéral. Le contrat fédéral va œuvrer sur le site de Paris-Brest-Paris et on aura un lien direct avec cette plateforme de gestion des bénévoles. Bénévoles, bien évidemment, c'est une solution digitale en temps réel. Donc je peux modifier mes disponibilités, je peux modifier mon numéro de téléphone mobile. Mais surtout, pendant l'événement, je vais recevoir par SMS, notamment, l'endroit où j'exerce. Donc, si j'ai besoin de 3 bénévoles à la dernière minute à un endroit donné, de par l'application, je vais pouvoir toucher tous les bénévoles qui sont positionnés à tel rond-point, par exemple. Je vais leur dire, vous changez de rond-point, vous allez à tel endroit. Ils auront le maps pour se rendre sur leur nouveau poste de travail. Je l'ai dit tout à l'heure, le bénévole, il doit être sa priorité, c'est du relationnel et du service. Participants, au public, à tous ceux, toutes les populations qu'on va accueillir sur Paris-Brest-Paris. À chaque fois que ça nous sera possible, on va donner la parole aux bénévoles. Donc on a déjà un certain nombre de médias qui nous suivent, qui sont engagés à nos côtés sur le Paris-Brest-Paris. On va tendre le micro. On va recueillir les impressions des bénévoles. On va aller les voir. Qu'est-ce que tu fais? Comment t'apprécies? C'est quoi ton anecdote du matin? C'est quoi? Voilà. On va aller vers les bénévoles pour les faire témoigner. Et puis, on n'oublie pas, encore une fois, les équipes régionales. Donc, début mars, on va faire un séminaire sur 2 jours avec nos équipes régionales pour faire un dernier bilan opérationnel sur nos différents sites. PBP, c'est la fête. Mais bien évidemment, le PBP avant tout, au-delà de l'effort de pédaler pendant 1200 km, c'est la fête. On a plein d'éléments pour faire la fête en 2023. C'est la 20e édition, donc c'est un bel événement. C'est un an avant Paris 2024. Alors, c'est ce que je dis. Il ne faut pas qu'on soit focusé sur Paris 2024, mais on va nous regarder. On fait partie des très gros événements sportifs qui vont se dérouler sur le territoire français avant le rendez-vous olympique. On va être regardé, inévitablement. Donc, on est déjà un peu observé par des instances. Ça va monter crescendo. On n'a pas le droit de se tromper. Donc, voilà, il y a un rendez-vous olympique. Faut savoir que la randonnée... Le tracé se déroulera sur 37 territoires labellisés terres de jeu. Voilà. Quand même pas mal. Et la fête, ceux qui connaissent le Paris-Brest
dans leurs différents rôles, savent pertinemment que le Paris-Brest, c'est la fête pendant 1200 km. Sur le vélo, mais pas que. Dans les villages, partout, c'est la fête sur le Paris-Brest. Donc, notre objectif, c'est de partager avec tous les publics. Et puis, on commence à avoir des sollicitations des médias, et des médias assez conséquents. Il y a un mois de ça, je vous dévoile quelques secrets, il y a un mois de ça, on est contacté par une chaîne de télé américaine qui veut suivre des randonneurs sur le Paris-Brest-Paris. Il y a deux jours, c'est une chaîne de télé anglaise qui veut suivre un groupe de 5 randonneurs sur le Paris-Brest-Paris depuis les qualifications jusqu'à l'aboutissement du Paris-Brest-Paris. Et puis c'est tout chaud, France Télévisions nous a appelé hier après-midi. Ils veulent faire un documentaire de 52 minutes sur Paris-Brest-Paris. Et hier soir, je recevais le script 13 pages de France Télévisions. Donc on va organiser tout ça parce qu'il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Mais il faut savoir, quand je vous disais tout à l'heure qu'on allait être observé, oui, on va être observé et ça va monter, je pense, en puissance très très fortement jusqu'au mois d'août prochain. Et les médias devraient s'intéresser à nous. En point d'étape, rapidement, je vous l'ai dit, j'accompagne les dirigeants de la club parisien depuis le mois de juin 2021. De manière transparente, je suis tous les jours sur Paris-Brest-Paris. On travaille en lien permanent avec les équipes régionales. De temps en temps, ils doivent se dire ils nous agacent à nous écrire autant de fois. Mais je ne sais pas faire autrement. Je ne vous agace pas trop ? Bon, ça va. On échange beaucoup avec la commission languissante de la Fédération française de vélo. Voilà. Donc, quand on était en reconnaissance de parcours, on avait le responsable de la commission longue distance à la fédération quasiment au téléphone en permanence. Voilà. On a construit notamment le parcours grâce à Stéphane. Aujourd'hui, point d'étape, le tracé finalisé. Donc on sait par où vous allez passer. Encore une fois, un cadre véritablement exceptionnel sur Rambouillet. Et puis, il nous reste encore des solutions à identifier. Enfin, on a identifié beaucoup de solutions. On est pas mal dans l'épure du projet. Maintenant, il faut qu'on finalise un petit peu la jauge des différentes solutions que l'on va déployer. Et puis, le recrutement des bénévoles, je vous l'ai dit, c'est activé. Et puis, je suis convaincu personnellement qu'aujourd'hui, un événement de cette ampleur doit séduire des acteurs économiques. Donc, on est en train d'essayer de faire rentrer sur le Paris-Brest-Paris un certain nombre d'acteurs économiques. Ce n'est pas facile parce que 8 mois avant la randonnée, c'est trop tard pour faire rentrer des partenaires. Les budgets dans les entreprises sont, les budgets com, les budgets marketing sont votés. Donc on arrive un peu tard. J'espère qu'on va sortir quelques beaux dossiers. Et puis, quand bien même nous n'y parviendrons pas, eh ben on fera le Paris-Brest-Paris randonneur sans partenaire, mais avec l'envie chez un certain nombre d'acteurs de nous retrouver ou de vous retrouver dans 4 ans. Alors, ils sont engagés à nos côtés, véritablement. On sait compter sur un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui nous accompagnent quotidiennement le projet. Premier rang desquels, la mairie de Rambouillet. Hervé, tu viens nous rejoindre ? Voilà. Merci Jean-Pierre. Alors je vous confirme que Jean-Pierre, président, travaille tous les jours, mais aussi tous les soirs. Alors j'ai un petit mot de la part de Madame le maire de Rambouillet, qui malheureusement n'a pas pu être là. Monsieur le président de l'Audax Club, donc cher Luc, chers amis sportifs, mesdames et messieurs, c'est avec grand regret que Madame le maire de Rambouillet, Madame Véronique Massillon, n'a pas pu se joindre à nous cet après-midi. Mais soyez assuré, Monsieur le Président, de tout son soutien pour le prochain Paris-Brest-Paris randonneur. C'est donc avec grand plaisir que nous accueillerons le départ et l'arrivée de la prochaine édition 2023, et cela pour la deuxième fois, puisqu'en 2019, Rambouillet avait déjà été ville départ à l'initiative de Messieurs Marc Robert, alors maire, et Gaël Barbotin, son premier adjoint. En choisissant Rambouillet, vous avez choisi une terre de vélo au cœur d'un magnifique terrain de jeu. Ce n'est pas pour rien si les Yvelines se sont vues décerner par la Fédération française de cyclisme le trophée Terre d'excellence cycliste. Ce n'est pas sans raison si la Vélocénie, venant de Notre-Dame et allant au Mont-Saint-Michel, passe dans notre centre-ville. Ce n'est pas un hasard si les Yvelines seront le pôle cycliste des Jeux Olympiques et si la ville de Rambouillet postule à l'organisation du départ du contre-la-montre homme
dont nous attendons encore la réponse les prochains jours. Le dynamisme de nos vélos clubs, clubs de cyclistes ou de cyclotourisme, je salue Didier Josset qui est dans la salle et qui a été une part et une cheville ouvrière très très importante lors de l'édition 2019, donc je voulais remercier Didier devant tout le monde. Ce n'est donc pas par hasard. Ainsi, la forte fréquentation de nos routes de campagne ou de nos dizaines de kilomètres de pistes cyclables forestières en sont encore des preuves irréfutables. Vous serez donc à Rambouillet comme chez vous. Et au-delà de cette passion commune, la politique sportive de Rambouillet et la Paris-Brest-Paris Randonneur présentent bien d'autres similitudes. Pour construire sa notoriété, la Paris-Brest-Paris Randonneur a eu besoin et a toujours besoin de très nombreux bénévoles. Rambouillet décline un sport pour tous, mais aussi, et j'insiste sur ce point, un sport avec tous. Les sportifs, certes, mais aussi les entraîneurs, les dirigeants, les arbitres et surtout les bénévoles. Donc je les remercie et je m'associe aux propos de Jean-Pierre sur ce sujet. Sans eux, rien ne serait plus possible et aujourd'hui, alors que leur nombre diminue, il convient non seulement de leur rendre un hommage appuyé, mais aussi de les mettre en lumière à l'occasion de chaque manifestation sportive et de les remercier afin que cette mobilisation si précieuse et que leur aide essentielle ne s'éteigne jamais. Enfin, la politique sportive de Rambouillet, c'est aussi le sport santé, cher à Madame le maire, qui est aussi une professionnelle de santé pour information. Dans ce sens, le Paris-Brest-Paris Randonneur, dont l'objectif principal n'est pas le chronomètre, s'inscrit là encore dans le souhait de notre ville de vous accompagner le plus longtemps possible. Et enfin, je rajouterai un tout petit mot. Avant notre prochain rendez-vous entre le 20 et le 24 août 2023, sachez que la ville de Rambouillet, débutera dès le 23 juin prochain avec, sur la base des idées de François, donc j'ai entendu tout à l'heure, un parcours scolaire sur le thème « En route vers les Jeux Paris 2024 ». Dessiné dans la ville et qui sera basé sur les villes étapes du Paris-Brest-Paris randonneur. Nous serons donc ravis de vous accueillir et vous accompagner pour recevoir au mieux les randonneurs dès le 18 août prochain. La ville sera festive. La ville proposera des animations bien françaises, des concerts, du cabaret, mais aussi des produits du terroir à l'image de ce que vous avez souhaité. Alors je vous souhaite une bonne année 2023, un très très bon Paris-Brest-Paris. Et puis, vive le Paris-Brest-Paris randonneur, vive Rambouillet et longue vie à ce partenariat. Merci Hervé. Effectivement, il fait partie de ceux qui reçoivent des mails de ma part tard le soir, voir des messages sur WhatsApp. Je peux vous dire qu'Hervé cotise aussi. Hervé a à ses côtés Jean-Louis, qui est chargé de mission auprès de la municipalité et qui est un rouage au quotidien extrêmement important pour nous aussi. Voilà, merci à vous. Un deuxième acteur important dans le dispositif, C'est Madame de Gourcuff, Madame Isabelle de Gourcuff, que je n'ai pas vue cet après-midi. C'est l'administratrice du château de Rambouillet. Donc, sujet à traiter comme il se doit, parce que c'est le domaine des monuments nationaux. Donc, c'est un processus d'approche, de gestion particulière, aux côtés de la ville. Voilà. Il faut savoir qu'on a rencontré déjà plusieurs reprises Madame de Gourcuff, qui est ravie d'accueillir le Paris-Brest-Paris dans la prolongation du château de Rambouillet. Elle va commencer à prendre contact avec les médias tournés vers la culture pour faire rayonner le Paris-Brest-Paris sur ses plateformes de communication culturelle. Je vais les appeler aussi. Ce projet-là, on le fait de manière territoriale. Donc on a une dizaine de sites. Hein. Philippe, tu me dis une dizaine de sites ? Ouais. Globalement, quand on dit 10 sites régionaux, c'est... Voilà. On en a deux qui sont parmi nous cet après-midi. Vilaine Lajuel, Pascal, tu viens ? Et on a Fougère aussi. Daniel, tu nous rejoins. Alors, s'ils pensaient être tranquilles pour organiser le Paris-Brest-Paris 2023, ils se sont trompés.
parce qu'on les sollicite beaucoup, on leur mène la vie dure, mais ils ont l'air de toujours adhérer, donc on continue. Merci, Daniel. Merci, vous voulez dire un petit mot ? Oui. Alors, pas long. Hein. Pas long, non. C'est vrai, Jean-Pierre, quand il vient sur les sites, attention. Quand il arrive à Villaines-la-Juhel, on n'avait pas assez travaillé, je me rappelle, il m'a dit, Pascal, il va falloir bosser. C'était quand, le jeudi, je crois. On s'est mis au travail le samedi. Il dit, il y a 8000 participants, ça passera pas. Ton site contrôle n'est pas bien. On a rebossé le samedi. Je vais renvoyer le plan du site à Philippe et à Jean-Pierre. Après, ils m'ont dit, au moins, vous avez bien bossé. Car on avait mis, par exemple, il m'a dit les marches tout à l'heure. Là, on a mis le contrôle extérieur. On a loué 3 grands barnums de 15 mètres. Comme ça donne de la place au niveau de notre salle. Et puis, évidemment, à Villaines-la-Juhel, je ne sais pas, on est une petite commune de 3000 habitants. On sait accueillir. La Mayenne, c'est vraiment... Les cyclomayennais sont là, ils peuvent nous le dire aussi. On sait accueillir. On se sera encore mieux qu'il y a 4 ans, je peux vous le dire. Au niveau festivité, on s'y est pris assez tôt, donc c'est pareil comme à Rambouillet, peut-être moins chaleureux qu'à Roudouillet, mais le cœur y est. Vous savez qu'on aura 550 bénévoles. Tous les jours, je me déplace même aller au travail, on me tape sur l'épaule, je veux être bénévole, je dis non, ça se passe pas comme ça. Il y a un site, il y aura des réunions de bénévoles, de communication, vous viendrez, vous inscrirez, mais moi je prends pas les places au niveau des supermarchés ou n'importe où. Non, mais ils sont tous prêts à adhérer. Que ça soit la commune de Villaines-la-Juhel, le département, la Comcom, tout le monde est derrière nous. Ça fait depuis 79 qu'on a le Paris-Brest à Villaines-la-Juhel. Et vraiment, ils adorent le Paris-Brest, même la Mayenne, tout le monde adore le Paris-Brest. Je vous souhaite mes bons voeux à tout le monde, et puis merci, puis bon Paris-Brest. Impressionnant de prendre la parole devant une salle de passionnés, quand même, c'est fou. Que dire du Paris-Brest-Paris ? Moi, je l'ai fait 3 fois sur le vélo. Quand on le fait sur le vélo, on ne pense qu'à ça, les mois qui précèdent le Paris-Brest, voire même l'année qui le précède, quoi. Mais je peux vous dire qu'en tant qu'organisateur, chef de projet d'une ville d'accueil comme nous, Fougères, comme les, mon collègue de Villaines, on ne pense qu'à ça aussi. C'est même, je pense, encore pire, quoi. Et bon, je ne vais pas vous répéter les mêmes choses parce que je pourrais vous dire exactement les mêmes choses que vient de me dire, notre ami de Villers. Eh bien, vive le Paris-Brest-Paris parce que c'est vraiment une belle aventure. Quoi. Donc vous le constatez, ne m'en veulent pas trop. Voilà. On travaille aussi avec la Fédération, bien évidemment, on travaille quasi quotidiennement avec la Fédération, et je vous en ai parlé tout à l'heure avec la Commission longue distance. Stéphane ? Voilà. Merci, merci. Bonjour à tous, c'est Happy, je n'avais pas prévu de prendre la parole. Donc la c'était la surprise. C'était la surprise, donc j'ai pris quelques notes sur le carnet. Donc la présentation d'aujourd'hui, c'est un peu pour tout le monde la concrétisation du lancement du Paris-Brest-Paris de 2023. Bien que pour beaucoup d'entre nous, il est lancé depuis des mois, voire un peu plus d'une année. Donc le Paris-Brest-Paris, c'est presque une randonnée centenaire, juste un an avant les JO, et l'année du centenaire de la Fédération. Donc c'est un événement assez important pour la Fédération. C'est un événement qui sait évoluer et vivre avec son temps. On a pu le voir tout à l'heure avec Jean-Guy Albert pour la présentation du système de validation des BRM. C'est une orga qui sait vivre avec son temps et évoluer. Le Paris-Brest-Paris a des thèmes qui tiennent à cœur de la Fédération, qui est le sport mais non compétitif, qui est la découverte de notre pays, qui est la convivialité et l'accueil, et un point très important rappelé par Jean-Pierre, la sécurité, qui est au cœur des préoccupations de chacun. Comme l'a dit Jean-Pierre, la Fédération accompagne la CP suivant les besoins de la CP, et la CP peut s'appuyer sur les corèges, les CODEP et les clubs sans qui rien ne serait possible. On ne l'a pas évolué, mais nous espérons 2500 Français qui participeront au prochain Paris-Brest-Paris randonneur. Et on espère que ces 2500 Français concrétiseront le renouvellement des participants qu'on peut voir un peu partout sur nos BRM. Tout à l'heure, on a cité les BRM de Mayenne, mais plus généralement, on peut voir qu'en fait, il y a beaucoup de bonnes idées sur les BRM. Donc, c'est des clubs organisateurs de BRM dans la salle
qu'ils n'hésitent pas à proposer des BRM qui soient très touristiques, qu'ils n'hésitent pas à faire découvrir le pays et que ce soit des événements conviviaux. On a pu voir aussi cette année des nouvelles modes, entre guillemets, d'organiser des BRM. Il y a par exemple des clubs qui organisent les trois BRM d'un coup. C'est une chose qu'on ne voyait pas auparavant. N'hésitez pas à innover sur le format. Pour les bénévoles et les participants, le Paris-Brest-Paris, le plus difficile commence. Là, il y a 8 mois de rush pour l'organisation. Et pour les participants, il y a la série des BRM qui est déjà partie, si j'ai bien compris, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc pour chacun, la passion et le désir sont présents. Donc unissons tous nos efforts pour que la grande kermesse quadriannuelle soit belle. Et donc rendez-vous dans 8 mois, que ce soit sur le stand fédéral ou sur la route. Merci. Pareil, Stéphane pourrait témoigner que je l'ennuie régulièrement. Nos amis de Chronocours, c'est ceux qui déploient les tapis, je pense qu'ils ne sont pas là cet après-midi, donc une société spécialisée dans le chronométrage sportif basée à Vannes, qui nous fournit des beaux logiciels, des belles solutions technologiques, des équipes toujours disponibles, très performantes. Merci à eux. La nouveauté, l'une des nouveautés cette année, donc Chronocours nous accompagnait déjà en 2019, ouais. L'une des nouveautés cette année, c'est la gestion des bénévoles. Donc on s'appuie sur le logiciel Cohésion de la société Kickoff, qui est en Haute-Loire. Une petite société qui, à l'origine, faisait une vingtaine de salariés, qui a fait dernièrement une très grosse levée de fonds, qui recrute beaucoup, tellement ils deviennent une référence dans la gestion du bénévolat dans le monde, pas que sportif. Donc vraiment, ce prestataire est aussi un prestataire fédéral, et on a commencé notre recherche en allant voir la fédération en disant « Vous travaillez avec qui ?» Une fois qu'on est allé voir la fédération, on a pris contact avec un certain nombre d'acteurs du monde du sport pour savoir quels étaient les retours d'expérience de l'utilisation du logiciel. Et on s'est tourné vers le logiciel Cohésion. Voilà, donc c'est opérationnel. J'attends beaucoup, beaucoup de l'utilisation de ce logiciel. Orange, ben voilà, sans un acteur comme Orange, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas encore, quand vous passez avec votre vélo sur un tapis, à Vilaine, à Fougères, en bas des marches à Vilaine, en fait, oui. Quand le tapis est en bas des marches à Vilaine. C'est tout. Merci. La détection de votre passage est transmise sur des serveurs informatiques aux États-Unis. Donc vous imaginez bien que pour que ça parte dans ces circonstances-là, il faut des réseaux de communication adaptés derrière. Donc aujourd'hui, comme en 2019, on s'appuie sur les solutions d'Orange Event pour déployer les infrastructures. Vous les connaissez tous. Ils ont revêtu leur belle tenue cet après-midi, les Saint-Bernard du Paris-Brest-Paris. Jean-Louis, tu nous rejoins avec tes troupes. Tu fais pas tourner les moteurs, s'il te plaît, par contre. Hein. Écraser tout le monde. Vous voyez comme ils sont beaux. Bon, ils seront comme tous les bénévoles, ils seront à vos petits soins tout au long du parcours. Vraiment. Alors, s'il y a une population qui, sur le Paris-Brest-Paris, a plein d'anecdotes à raconter, ce sont les motards de l'ANEC. Là, écoutez-les, vous allez savourer. Tu veux dire un petit mot, Jean-Louis ? Pourquoi pas ? Bonsoir à tous. Alors effectivement, pour nous, le Paris-Brest, c'est un rendez-vous qu'on ne raterait pour rien au monde. Et nous parlons avec Jean-Pierre de 36 à 40 motos. On les a déjà. Ils veulent tous le faire. Et effectivement, c'est une source de bonheur toujours renouvelée de pouvoir vous aider, de pouvoir vous guider, de pouvoir vous rendre service. Voilà. Nous, on raterait ça pour rien au monde et on est super, super content de le faire, grâce à vous d'ailleurs, à vos côtés. Voilà. Merci Jean-Louis. Ils font la photo avant la photo familiale qu'on a prévu de faire après. voilà.
Je vous parlais tout à l'heure de prestataires spécialisés dans l'événementiel. Bon, on se tourne vers pour monter tout le chapiteau, vers l'acteur quasiment incontournable. Vers l'acteur quasiment incontournable du déploiement de chapiteaux, de déploiement de stands, etc. J'étais avec eux encore hier au téléphone. Ils font le Vendée Globe, ils font plein de choses comme ça. C'est France Location. Donc c'est grâce à eux qu'on pourra bénéficier de chapiteaux adaptés à nos besoins. Il est malheureusement souffrant. Notre représentant chez France Location est malheureusement souffrant. Donc il s'excuse, il ne peut pas être parmi nous cet après-midi. Bertrand, tu nous rejoins. Voilà. Si vous allez pouvoir prendre des douches et aller aux toilettes dans de bonnes conditions événementielles, c'est grâce à Bertrand, société Happy Service. Je n'ai pas préparé de discours, mais l'important, c'est qu'il y ait l'hygiène pour tous, partout, et en espérant que la prestation soit d'aussi grande qualité que ma taille. Voilà. Un incontournable dans le paysage cyclotouristique. Jérôme, tout le monde le connaît. Alors, vous allez, si vous êtes bénévole, vous avez de fortes chances de vous retrouver derrière les micros de Jérôme. Merci à tous. 20 minutes, à peu près ? Tu peux parler pendant 20 minutes. D'accord. Et on coupe à 3 minutes. Bonjour à tous, merci. Radio Cyclo, vous connaissez, vous ne connaissez pas. On a voulu créer Radio Cyclo pour nous, parce qu'on aime le vélo, parce qu'on aime l'audiovisuel. Et on a démarré quasiment 6 mois avant le dernier Paris-Brest-Paris en 2019. On est sur des événements, on est en partenariat avec la Fédé, on est en partenariat avec le Biking Man, ou notre ami Axel Carion qui est là-bas. On aime être sur les événements, on aime être sur les événements pourquoi ? Parce qu'on aime faire parler les gens. Le but, c'est pas que nous parlions, mais c'est surtout vous faire parler. Alors on a aussi des clubs avec qui on est en relation, c'est difficile et simple à la fois de faire des contenus qui sont diffusés. On n'est pas au niveau de France Télévisions qui va venir, on n'est pas au niveau d'RTL, on n'est pas tout ça. Mais on essaye vraiment, et ça c'est vraiment l'ADN, c'est d'être présent sur des événements pour faire parler, j'allais dire, du plus grand au plus petit. Alors le plus grand, c'est le coureur pro, on est 4 heures par jour sur chaque étape du Tour de France avec un camion studio, parce qu'il y a de la visibilité, et la visibilité du vélo, c'est le Tour de France. Mais pas que. 90% de nos déplacements, ce sont sur des événements comme le Paris-Brest-Paris et que d'autres que j'ai cités. Et encore une fois, le but, c'est de faire parler, c'est de vous faire parler, c'est de faire parler les passionnés. Les passionnés, on les retrouve dans les participants, on les retrouve dans les organisateurs, on les retrouve dans les partenaires, on les retrouve chez les bénévoles. Et tout ça, en final, quand on a fait parler tout le monde, ça fait des podcasts qui vont être distribués sur tous les portails de podcasts, Deezer, Spotify, et sur une grille, puisqu'on est une radio digitale, ce qu'on appelle une web radio, qui tourne 24 heures sur 24. Alors, on n'est pas toute la bande de bénévoles, on est associatif, on n'est pas 24 heures sur 24, nous, dans les studios, pour faire des émissions, mais on a de la musique la nuit, on a la musique le jour, on a des émissions, des rendez-vous, des interviews. Vous pouvez écouter quand vous êtes sur le vélo, pas trop, je crois qu'on peut pas. Tu vas avoir abusé. Bon, je termine. En tout cas, on est là, on sera là. Et à longueur d'année, entre deux Paris-Brest, Paris, contactez-nous. On vient dans les clubs, on vient vous faire parler, on vient vous faire raconter des belles histoires. Voilà, c'est ça l'ADN de Radio Cyclo, vous faire raconter des belles histoires. Merci Jérôme. Jérôme sait parler de tout et sait vous faire parler de tout, surtout. Voilà. Et pour finir, un petit nouveau qui rejoint l'aventure Paris-Brest-Paris, qui va animer le podium à Rambouillet. Sylvain, si tu peux nous rejoindre. Voilà le nouveau speaker du Paris-Brest-Paris à Rambouillet. Il vient de me glisser qu'il ne savait pas quoi dire. Ça commence pas pour un speaker. C'est pas bon pour un speaker, ça.
Alors avec Jérôme, je pense qu'on va bien s'entendre, parce que moi aussi je suis un bavard. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je suis très honoré d'avoir été invité. Merci à l'Audax Club Parisien. Merci Jean-Pierre pour cette invitation. Waouh, je suis bluffé de cette belle organisation qui m'attend. Je suis très excité à vous rejoindre. La rencontre avec Jean-Pierre s'est faite naturellement. Via LinkedIn. Oui, absolument. Elle s'est faite naturellement. J'ai pris contact parce que j'ai vu cet événement-là. J'ai fait waouh, je veux en être. Je veux en être parce que ça fait partie un peu de mon ADN aussi, l'authenticité, les choses simples, la fête. Moi aussi, je suis venu pour récolter une bouteille à la fin. Oui, oui, mais bien sûr, c'est prévu, absolument. Non, mais voilà, c'est vraiment... moi, je suis donc speaker depuis une vingtaine d'années sur beaucoup de types d'événements parce que je m'intéresse à tout. Je suis curieux. Donc, du sport collectif, du sport de salle, de l'athlète, des trails, du vélo aussi, des séminaires d'entreprise, beaucoup de choses. Mais à chaque fois, je prends un projet parce qu'il m'intéresse. Je prends pas de projet qui m'intéresse pas, clairement. Donc moi, je suis très très content, encore une fois, de pouvoir toutes et tous vous rencontrer. Je crois souvent qu'il n'y avait pas assez de place pour avoir 8000 personnes aujourd'hui. Hein. C'est ça. Mais il roule, je sais bien. Ah, c'est pour ça qu'il est en train de passer les bérules. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais en tout cas, moi, c'est dans 8 mois, je vais me préparer. On va se préparer, on va construire ensemble ce projet, parce qu'il n'y a pas de place au hasard. Même si le but, c'est vraiment de vous faire sentir que c'est naturel, mais il faut que tout soit préparé et on sera prêt en temps et en heure. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de rejoindre donc, cette belle aventure concrètement sur le terrain à Rambouillet. Et voilà, donc très très belle année à vous toutes et à vous tous. Beaucoup de bonnes choses pour vous et vos proches. Et puis, je vous dis à très très vite. Hein. À bientôt. La question, pourquoi est-ce qu'on a changé de speaker ? Parce que Sylvain parle plusieurs langues. Et donc, quand on accueille 70 pays au travers d'un Paris-Brest-Paris, ben bien évidemment, on doit se doter des moyens pour dialoguer le plus efficacement possible. Voilà. Hop, je me fais rattraper par le président de l'Audax Club Parisien. Ouais, des fois, de temps en temps, il faut jouer notre rôle un petit peu. C'est pas le dernier prestataire. On en a d'autres. Il y en a dont on parle jamais. Le designer qui a fait cette belle affiche, qui se trouve d'ailleurs au milieu de l'écran. Non, je ne pense pas qu'elle soit là. Je crois que... Sarah ? Ah bah alors ? Mais alors ? Non, non, mais voilà. Alors, cette belle affiche, d'ailleurs, elle est à votre disposition, là-bas, sur une table. Il y a des clubs qu'on peut encore penser à en prendre pour mettre au moment de leur BRM. Allez-y, servez-vous. Il y a, bien évidemment, comme autre prestataire de taille, les maillots. Donc, c'est Noré, pour ne pas le nommer. Celui-là, je peux aussi montrer celui-là, hein, il est pas mal aussi. Hein. Il y en a d'autres qui travaillent dans l'ombre, on ne voit jamais. IGD qui fait les impressions de documents, notre informaticien qui travaille sur le site, sur les inscriptions. Enfin, donc il y a beaucoup de monde derrière. En fait. Merci Luc pour cette précision. Ça, effectivement, faut qu'il me recadre de temps en temps. Effectivement. Ça, puis c'est le président, donc j'accepte. Je n'ai pas le choix. On va quelques éléments très macro sur le parcours avant de passer la parole à Philippe qui va vous décrire tout ça. Le parcours, globalement, Philippe, tu me reprends, 1218 km, on est pas mal. 11 800 mètres de dénivelé, 188 communes. Et on passe dans le centre de 120 communes. Et puis surtout, on va déployer des contrôles secrets. Donc, à vous de respecter le parcours. Voilà. Philippe, ceux qui ont pris la parole, on fait une petite faute. Tu veux prendre la parole tout de suite, Philippe ? Peut-être ? Bon, dans l'idée, si vous êtes encore un peu parmi nous, ouais, donc on fera une photo après l'intervention de Philippe pour présenter le parcours. Allez Philippe, on va changer de diaporama parce que comme je vous l'ai dit, oui, ça c'est une intervention de fin de parcours pour l'ACP. Alors on a un petit, comme je vous disais, on avait une petite erreur à gérer tout à l'heure. Donc là on est en temps réel. On est en direct. C'est bien. Allez. Merci à vous. Bon Paris-Brest-Paris à tous. On a encore du travail.
Donc, je vais vous présenter le parcours. Là, vous avez une petite idée du parcours. Vous voyez qu'en rouge, c'est le retour sur un itinéraire complètement différent en Bretagne. Donc, ce parcours, il a été reconnu deux fois, en novembre 21 et puis en octobre dernier. On a fait beaucoup de kilomètres, notamment en novembre 21, puisque je crois qu'on a fait plus de 2000 kilomètres sur les 1200 kilomètres du parcours, avec tout un tas d'allers-retours pour vérifier les routes. Et puis ça a donné ça, finalement, après pas mal de recherches, notamment sur Internet, avec des logiciels et puis des applications comme Google Maps et Street View. Alors, sur le parcours 2023, nous avons une priorité, comme l'a rappelé Jean-Pierre, la sécurité. Sécurité des participants, principalement, bien sûr. Et avec l'idée, on vous l'a dévoilé déjà plusieurs fois, le dédoublement du parcours en Bretagne à partir de Saint-Malgrand jusqu'à Brest et aller-retour. Alors pourquoi ? Pour éviter les croisements de cyclistes sur des routes étroites, notamment la nuit. Vous connaissez la puissance des éclairages qui sont parfois mal réglés, des éclairages de vélo. Donc, et puis bien sûr par rapport à la circulation automobile. On veut être une gêne le moins possible pour la circulation automobile, notamment en Bretagne, où on a parfois des routes qui sont relativement étroites sur notre parcours, notamment entre Loudéac et Carhaix, ou même entre Saint-Malgrand et Loudéac. Sur autre chose aussi, on a essayé de choisir un maximum de routes avec une signalisation horizontale au sol, donc des lignes blanches le plus possible. Sur l'ensemble du parcours, j'ai calculé, il y a 96 km seulement sur les 1218 qui n'ont aucune signalisation au sol. Principalement en Bretagne, non pas parce que c'est la Bretagne, mais parce que c'est là où on prend parfois les routes les plus étroites. Et vous savez que malheureusement, on n'a pas toujours une signalisation en France au sol, adaptée comme on peut voir parfois dans certains pays avec des lignes blanches de chaque côté. Je pense à l'Italie, je pense à la Suisse, des pays comme ça. On vous l'a dit tout à l'heure, les villes contrôles sont toutes conservées, ça a été dit. Un seul site contrôle est modifié à Tintignac. On avait l'habitude d'aller au lycée Bel Air sur la route de Combourg. Et Tintignac a changé. Maintenant, on sera dans un collège qui est plutôt en sortie de ville à l'aller et donc au retour à l'entrée. Et on a été visiter les installations au mois d'octobre. Donc, c'est très très bien et je pense que vous ne serez pas déçus. On a, comme ça a été déjà dit aussi, on a essayé d'optimiser les circulations de cyclos dans les sites. Et on pense bien sûr à Villers-de-la-Juhel, n'est-ce pas Pascal ? Mais aussi à Loudéac, où à Loudéac, l'arrivée ne se fera plus par le boulevard Victor-Étienne en bas, mais par la rue de la Chaise, à l'allée. Donc tout ça a été repensé. À Brest aussi, on fera tout le tour de la cité pour repartir. Et puis à Dreux, où on revient à une arrivée en direct par le devant du Palais des Sports de Dreux. Le parcours, il a été en partie remanié sur certaines étapes, donc forcément en Bretagne, on vous l'a dit. Je ne sais pas si on voit, c'est pas terrible. Hein. Il manque le bas de la page, mais enfin, je vais vous le dire, c'est pas gênant. Donc Mortagne, Villède, aller-retour, nouveau parcours. On va le voir après. Fougères, Tintignac, nouveau parcours. De Tintignac à Loudéac, en partie changé. Brest, Carhaix, parcours totalement nouveau. Et Carhaix-Loudéac en partie changé. Voilà. Alors, un parcours aller qui fait 603,5 km, 604 comme vous voulez. Une dénivellation à 5509 mètres, selon OpenRunner. Pour comparaison, en 2019, on était à 611 km et 5715 de dénivelé. Un parcours retour qui, lui, est un petit peu plus long, puisqu'on approche les 615. Avec 6313 de dénivelé. Juste d'éléments de comparaison, en 2019, c'était 609 km et 6149 dénivelés. Donc un peu
moins à l'aller et un peu plus au retour qu'en 2019, pour un dénivelé global qui est quasi identique. Voilà le parcours total, 1218 et quelques, 11 822 mètres, peut-être un tout petit peu plus, un petit peu moins, parce que vous savez qu'Open Runner n'est pas toujours une fiabilité extrême à 100%. Mais bon, ça, fondamentalement, c'est toujours aussi dur. Ouais. Un petit zoom là sur le parcours en Bretagne. Vous voyez qu'on est dès Saint-Malgrand, on va partir par le nord pour rejoindre l'Oudéac. Enfin, je vous détaillerai ça après. Sur l'Oudéac Carré, on est à peu près dans la même, le même itinéraire qu'en 2019 et les années précédentes. Carré-Brest aussi. Par contre, on revient bien plus au sud et avec un petit crochet jusqu'à Pontivy au retour. Un petit focus sur chaque étape. Étape 1, Rambouillet, Mortagne, 119, 700, 1152, c'est du grand classique. Quasiment pas de changement par rapport aux années précédentes. On a juste évité le centre de Nogent-le-Roi, qui est un peu compliqué, puisque maintenant il y a une déviation. Et puis dans Châteauneuf-en-Thymerais, on est un peu obligé de modifier très légèrement le parcours. Bon, c'est dur à la fin. Là, à partir de Longny, tout le monde le sait. Hein, vous avez le graphique. Là, je pense que l'appareil. Là, pareil, enfin, tout le monde connaît, ceux qui l'ont fait, tout le monde connaît la côte à la sortie de Longny. Mortagne-Vilaine, là on a complètement changé, on va maintenant passer par Alençon, aussi bien au retour d'ailleurs, on fera le même parcours. Une étape qui est maintenant plutôt facile, plus facile et plus courte qu'en 2019, ça c'est dû à la problématique de l'interdiction de certaines routes pendant les week-ends des vacances. Et donc jusqu'à minuit, on a des routes interdites le dimanche soir. Et donc on est obligé de varier les itinéraires pour éviter ces routes. Donc on rejoint Alençon par des routes relativement larges. On a le plaisir de passer à la Fresnay-sur-Chédouai où il y a un beau musée du vélo. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup qui s'arrêteront. Mais vous pourrez y revenir tranquillement. Et puis après, on rejoint l'itinéraire vers Sougé-le-Ganelon pour arriver à Villers-la-Juvelle, où il n'y aura plus les marches. C'est visé, là, hein, dis donc. Ça ne vient pas de venir. L'escalador. Ensuite, Villers-la-Juvelle, Fougères, ça c'est du grand classique. Vous avez le kilométrage, hein, à chaque fois, je pense que vous voyez, 89 km 300, 756 mètres de dénivelé. Une étape habituelle, il y a toujours la côte d'Ardange, hein, quand on tourne à droite à la Croix-Barbe. Et puis, bien sûr, après, j'ai repris la départementale 33, que certains, sur certains réseaux sociaux, ont qualifié d'insipide, celle qui va d'Ambrières à Fougères, par Goron. Effectivement, on avait étudié aussi la possibilité de prendre des routes plus étroites, notamment celles qui sont dans l'itinéraire de la Flèche de France, Paris à Brest, c'est-à-dire on passe par Oisseau et puis Saint-Denis-des-Gâtines. Sauf que ces routes sont très bien quand vous avez une centaine de cyclistes, de cyclos, qui mais 8000, ça va pas. On est quelques heures après le départ, il y a encore des gros groupes, des gros pelotons, 50, 60 au moins. Et là, on veut pas lancer sur des routes trop étroites, sans signalisation, notamment dans la partie plus proche de Fougères, on ne veut pas lancer. Donc on a repris cette route des 33 qui est toute droite, qui moi ne m'a jamais trouvé, j'ai jamais trouvé insipide. Voilà. Le parcours n'est pas très très difficile, passer la côte d'Ardange. Ensuite, nous avons une étape totalement nouvelle. Moi j'ai quelques notes. Une étape totalement nouvelle, un peu plus longue que d'habitude, elle fait 61 km, alors qu'avant on avait 54. C'est dû à la fois au fait que le site contrôle est déplacé, il est à 2-3 km après l'ancien site, mais aussi parce qu'on va descendre plus au sud. On va prendre une partie de l'ancienne Nationale 12 jusqu'à Gonnet, et puis après par des routes qu'on
a reconnues et qui nous ont semblé tout à fait correctes, qui ont été validées à la fois par les cyclos de Tinténiac et par les cyclos de Fougères. On rejoindra Tinténiac. Donc, nouveau site, je vous l'ai dit. Pourquoi ça? Parce que, en fait, on avait eu une demande du maire de Saint-Sauveur-des-Landes à la sortie de Fougères, que l'épreuve ne pouvait plus passer par le rond-point N12 à 84, à la sortie de l'autoroute à 84, qui était extrêmement dangereux. Il y avait même eu des cyclos qui, la dernière fois, sont retrouvés sur la 4 voies qui relie la 84 à Fougères. Je ne sais pas trop pourquoi ni comment, mais bon, donc on va éviter de passer à ce rond-point. Il est vrai que les véhicules arrivent très très vite sur ce rond-point. Je pense que Daniel, tu peux en témoigner, notre ami de Fougères. De toute façon, il est interdit aux cyclistes maintenant. Maintenant, c'est... Voilà. Ils vont bon. Faire des passerelles pour passer au-dessus voilà. Des marches. Des marches. Il y aura des marches pour les cyclistes. Donc là, nous, on ne veut pas de marches. On ne veut pas de marches. Voilà. Ensuite, Tinténiac, Loudéac, avec toujours un accueil ravitaillement, couchage, à Quédillac, comme les dernières éditions. Là, on va changer, donc, comme on l'a dit, à partir de Saint-Malgrand, on va repasser par le nord, par Saint-Launeuc, Saint-Vran. Le parcours n'est pas vraiment plus difficile. Bon, vous avez voyez le graphique. Vous voyez qu'il n'est pas... Bon, il y a la côte de Bécherel au départ, mais après, ça va. Il y a la dernière côte à l'après-Nessel, juste avant Loudéac, qui est un petit peu dur. Voilà. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, Loudéac, je vous l'ai dit, on arrive par la rue de la Chaise, par le nord, ça a été changé. Donc, ça évite des croisements de cyclos sur le site même. Enfin, ceux qui ont participé savent que c'est très compliqué dans Loudéac, et il y a beaucoup, beaucoup de monde à ce contrôle. Beaucoup se croisent. Ensuite, Loudéac-Carré. Bon, là, c'est une étape qui est à peu près habituelle. C'est la même qu'en 2019, si ce n'est qu'on va passer par le petit village de Canuel, qui est juste avant Saint-Nicolas-du-Pélèbre, tout ça pour éviter la départementale 790, qui est extrêmement chargée en circulation. Le parcours est très difficile dans les 25 premiers kilomètres. Ceux qui connaissent se rappellent de Trévé, de Grasse-Uzel et bien sûr de la longue montée sur Merléac. Puis après, ça va, c'est un petit peu mieux. On ne peut pas éviter la D790 après Saint-Nicolas pendant 5 km. Et après, on reprend des petites routes qui nous ramènent à Carré. Carré-Brest. Pas de changement, si ce n'est la fin, puisque la fin, on arrivait par le pont Albert Loup. On arrivait en voyant la mer. Là, cette fois-ci, on ne la verra pas. Mais vous la verrez au retour. Mais on ne la verra pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, lors de la deuxième reconnaissance, en fait, le parcours est habituel. On monte par Huelgoat et puis le Roc Trévézel, passé à Cizun, et puis à Landerneau. Donc on va prendre en grande partie l'ancienne N12 avec la côte qu'on va dévier, la côte à la sortie de Landerneau qu'on va dévier. Mais pourquoi? Parce que dans un premier temps, on avait pensé longer les Lornes, la rivière qui arrive à Brest. Là. Mais dans la seconde reconnaissance, on a trouvé que la route était trop étroite dans certains endroits, mais surtout qu'elle était truffée d'îlots directionnels, de chicanes, d'écluses, de coussins berlinois, de ralentisseurs. Et on a dit non, on ne peut pas envoyer les cyclos là. C'est vraiment, notamment dans le relais de Pierremont, alors qu'on arrivait, on arrivait sur la baie, on avait une vue magnifique sur la baie de la rade de Brest, ben, on a renoncé et en accord avec les cyclos de Brest qui nous ont dit non, il ne faut pas prendre cette route-là, ça ne va pas, donc on arrive par l'ancienne Nationale 12. Après, au retour, on avait dans un premier temps pensé remonter jusqu'au Roc Trévézel et on voulait supprimer la départementale 764, c'est-à-dire la route directe qui nous ramenait à Carré, celle qu'on a prise dans les dernières éditions. Et puis, on descendait plein sud vers Plounévé-du-Fou. Ça rallongeait trop la route et donc on a décidé de prendre l'ancienne route
de Quimper, avant qu'il y ait eu quatre voies, là, qui s'appelle maintenant la départementale 770, et on passera par Daoula, Le Fou. Et on ira rejoindre Carré, après Plein Est. Donc on descend d'abord un peu vers le sud et on rejoint Plein Est. Et puis, vous voyez, j'ai mis une petite photo de Plébin, parce que dans un premier temps, on ne passait pas à Plébin. Et notre ami Stéphane Gibon nous a dit « Mais pourquoi tu ne passes pas à Plébin ? Finalement, c'est super beau. » Et donc, on a dit oui, « Allez, on va les voir. » Et on est allé voir et on a dit « Il faut passer là, c'est trop beau. » Donc on a un magnifique enclos paroissial avec un calvaire assez spectaculaire, une église. Vous aurez le temps de voir ça et on espère qu'il sera illuminé la nuit. Voilà. Ça ne fait que 1,8 km de détour. Ça. Donc, voilà. Bon, mais vous voyez aussi que cette étape, elle est relativement accidentée. On nous dit, Open Runner dit 1310 mètres de dénivellation. C'est la plus dure. Je ne vous cacherai pas, c'est la plus dure. Vous voyez qu'elle est, je ne sais pas si on voit bien le graphique, mais elle est un peu en dents de scie. Notamment dans sa première partie, ça ne fait que monter et descendre. Je vous rassure, les pentes ne sont jamais supérieures à 5%. Je ne sais pas si je vous rassure. Alors, bon, Open Runner se trompe quand même de 40 mètres de dénivellation, parce que le pont Albert Loup, il considère que je passe au niveau de la mer. Donc, comme le pont a 40 mètres ou 42 mètres de hauteur, donc, en fait, il n'y aura que 1270, ça vous rassure. Ensuite, nous passons Carré-Loudéac, un tronçon qui nous a donné beaucoup de fil à retordre dans sa conception. Jusqu'à Gouarec, on reprend l'itinéraire, pas tout à fait l'itinéraire, mais une partie de l'itinéraire qui avait été tracé pour 2019. Là, on va rejoindre, on essaie de rejoindre au maximum l'ancienne nationale 164. Vous savez que la 4 voies Centre-Bretagne, RN 164, est en construction. Ça fait 30 ans qu'elle est en construction. Ce sera sans doute pas fini avant 2028-2030. Mais dès qu'on peut, on utilise l'ancienne route, qui est très large. Et donc, on va en grande partie la prendre jusqu'à Gouarec. Et puis après, on voulait pas remonter à Saint-Nicolas comme il y a 4 ans parce que c'était compliqué, ça faisait une étape très longue. On a eu pas mal de critiques là sur la longueur. Et donc là, on a essayé de raccourcir un peu. On pouvait faire encore un peu plus court, on pouvait arriver à 82 km, on pouvait gagner 3 km, mais en prenant des routes plus étroites, sans signalisation au sol, sur une trentaine de kilomètres. J'ai préféré qu'on descende jusqu'à Pontivy pour reprendre des routes un peu plus larges, même si on a 7 km sans signalisation au sol avant Émonstoir. Voilà, un parcours relativement difficile jusqu'après Gouarec. Et puis après, c'est du bonheur, c'est presque plat. Enfin non, j'exagère. Loudéac-Tinténiac, là, on reprend les parcours de 2019, donc par la chaise. Et puis on remonte sur Ménéac, il y faut. Et on rejoint Saint-Main-le-Grand, puis Quévillac, où il y a l'accueil. Ah oui, j'ai oublié de dire, vous avez vu qu'il y avait un accueil à Gouarec, et non pas à Saint-Nicolas au retour. On a réussi à négocier avec Saint-Nicolas, et ils ont été d'accord pour faire un accueil sur Gouarec, au retour. Donc Quévillac, là on rejoint Tinténiac, c'est le même parcours en grande partie qu'à l'aller, surtout la fin, la côte sur Bécherel, et après ça descend jusqu'à Tinténiac. Ensuite, Tinténiac, Fougères. On reprend le même parcours qu'à l'aller. Et on arrive, comme le dit Daniel, vous savez, dans ce sens-là, on voit beaucoup mieux le château quand on descend vers le centre de Fougères. Vous voyez le magnifique château. Unique en Europe. Comme le dit Daniel, unique en Europe, c'est magnifique château médiéval. Je vous invite tous à aller le visiter, c'est magnifique. Pas pendant Paris-Brest, ça va être compliqué. Surtout la nuit. Fougères-Vilaine-la-Juhel, ben, on reprend le même parcours. Voilà, donc et on va passer par la Seine-et-Château, cette fois-ci par le centre. À l'aller, on passait plutôt par la déviation. Là, par le centre-ville, où les commerçants pourront vous accueillir. Sans difficulté, entre autres.
Et puis, bien sûr, on finit par même parcours. Donc, il faut remonter Ardanche dans l'autre sens avant d'arriver à Villaine-la-Juhel, où il n'y a toujours pas de marche au retour. Donc, merci Pascal. Ensuite, Villaine-Mortagne. On avait, dans un premier temps, envisagé de refaire par Mamers. Bon. Et puis, finalement, on gagnait 5 km en passant par Alençon. Donc, on va reprendre le même parcours que l'aller. Ça facilite l'organisation aussi et le fléchage. Et donc, on arrive à Mortagne par la côte habituelle, au carré du Perche. Et donc là, il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'on connaît. Après Dreux, Mortagne-Dreux, c'est du classique. C'est difficile au départ pendant 25 km, et puis après, ça descend tout le temps, presque. Presque. Et à Dreux, donc, on arrive sur le palais des sports par l'avant. On ne fait pas comme il y a 4 ans où il fallait faire un long parcours pédestre. On arrivait par le stade derrière. Dreux, Rambouillet, dernière étape. Il reste 40 bornes, un peu plus, 42 km. On a choisi de faire le retour identique à 2019 qui avait été changé au dernier moment. Donc c'est ce retour... par une route qui est relativement large et bien, qui a été refaite d'ailleurs jusqu'à Favrol notamment. Et puis bah, après vous arrivez devant le château et puis vous avez terminé, vous êtes heureux. Voilà. Et voilà. Prévenu, Philippe connaît le parcours par cœur. Quand on a fait la reconnaissance, je me suis contenté d'être son chauffeur. Prenez des notes, s'arrêtait, prenez des photos, des chicanes, des dodanes, il vous a tout expliqué. Lui, il peut faire le parcours sans lumière de nuit. Il fera le Paris-Brest-Paris. Voilà. Ah bon, vous avez vu, je pense qu'on est pas mal, on est bien dans les temps. Enfin, personnellement, moi je considère qu'on est assez dans les temps, on est sur le bon rail. Si on est sur le bon rail comme ça, c'est qu'on travaille de manière, je pense, sincèrement efficace. Et je voudrais vous présenter aujourd'hui ceux qui composent le comité opérationnel du projet. On travaille en petite équipe et on se réunit depuis maintenant quelques mois, une fois par mois. Et on aborde tous les sujets pour piloter le projet. Alors, on est loin de la parité dans ce groupe. Donc Monique, c'est la seule représentante féminine du groupe de travail. Tu nous rejoins, Monique ? Alors, on s'était dit que dans l'organisation du Paris-Brest-Paris, quand on est président de l'Audax Club parisien, il faut savoir travailler un petit peu quand même. Donc on a incorporé le président de l'Audax Club parisien dans le comité opérationnel. On commence à manipuler des lignes budgétaires avec des montants assez importants. Donc qui mieux que le trésorier d'Audax Club parisien pour travailler à nos côtés, Philippe. Alors, Philippe sera sur le vélo en 2023. Voilà. On a à nos côtés une référence de l'organisation du Paris-Brest-Paris, Thierry. Comme vous pouvez constater, on a celui qui détient tous les panneaux directionnels de la randonnée, c'est Philippe. Alors, je leur fais des ordres du jour. Ils sont fatigués à la simple lecture des ordres du jour que je leur envoie. Et ils appréhendent les comptes rendus. Mais on fait des bonnes réunions de travail. On est sur une organisation de travail 10h-17h. Et je suis assez content de la manière dont ça travaille. Merci à vous tous. Merci de me supporter, surtout. Je sais que ce n'est pas une mince affaire.
Mais merci. On va finir par une petite photo de famille avec les dirigeants de l'Axe Club Parisien. Mais avant, on va donner la parole à l'Aude Axe Club Parisien via Thierry pour faire un petit point inscription, règlement. Parce que là aussi, on va faire bouger un peu les lignes. Hein. Organiser un Paris-Brest-Paris avec un droit d'inscription à 135 euros, ce n'est pas possible. Donc, à ce niveau-là, on doit faire aussi bouger un peu les lignes. Non, tu veux la fourchette. Voilà. Bien, donc dans une semaine, il y aura des centaines de préinscrits à cette heure-ci. Peut-être un millier même, ça va très vite au début. Ça sera ouvert donc le samedi 14 janvier à midi. On ouvrait habituellement à minuit, mais bon, c'est peut-être pas la peine de veiller non plus. Donc samedi à midi, ouverture des préinscriptions pour ceux qui ont fait un brevet de 1000 km ou un randonneur 1200 km et plus. Et puis toutes les deux semaines, on descend en kilométrage, donc 600 km, 400, 300, 200. Et ceux qui n'ont pas fait de brevet préqualificatif la saison passée, eh bien, il faudra qu'ils attendent fin mai pour s'inscrire directement. Alors avec 8000 partants, il n'y a pas de souci normalement pour avoir une place au Paris-Presse-Paris 2023. Déjà pour les Français, il y a un quota de 2500 places de réservées. Et puis 8000 partants au total, c'est très large. Donc n'ayez pas trop d'inquiétude à ce sujet. Le seul souci, c'est que si vous voulez partir dans une vague de départ précise, vous aurez peut-être un peu moins de choix à la fin, quoi, c'est tout. Alors, il y aura quelques petits changements. Déjà, pour le retrait des dossiers, on allonge la période de retrait, puisqu'on ouvrira le retrait des dossiers dès le vendredi après-midi pour les partants du dimanche. On va étaler un petit peu la distribution pour éviter qu'il y ait trop d'attentes à cette distribution. Ensuite, il y aura deux vagues de départ supplémentaires. Ce sont des vagues le lundi matin, donc 5h45 et 6h, deux vagues supplémentaires. Je sais que les départs du lundi matin sont moins prisés, mais il y a un taux de réussite qui est souvent plus important à cette heure-ci. Ça permet de faire une bonne journée. Il fait jour très rapidement. Et donc vous avez toute la journée pour rouler, même un début de nuit, parce que vous n'êtes pas encore trop fatigué. Au niveau du montant de l'inscription. Ah oui. Les préinscriptions, on a monté le montant on a passé le montant de préinscription de 30 à 50 euros. Il y avait beaucoup de préinscriptions comme ça, pour au cas où. Donc ça nous a un petit peu perturbé la dernière fois. Donc là, on passe ce montant d'inscription à 50 euros. Ça peut faire réfléchir quand même. Est-ce que je me suis préinscrit ou pas? Est-ce que c'est du sérieux ou pas? Oui, donc c'est non remboursable, sauf c'est déduit du montant d'inscription si vous vous inscrivez, bien sûr. Ensuite... Donc les inscriptions, oui, du 27 mai au 2 juillet au soir. On n'a pas encore tous les devis, donc c'est difficile d'avoir un montant précis d'inscription. Mais on a pu établir une fourchette de prix, donc cette inscription sera comprise entre 175 et 195 euros, sachant qu'il y a une réduction de 20 euros pour les membres de la FFCT. Alors pourquoi cette augmentation? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a une inflation qui est non négligeable sur les 4 ans. Et puis ensuite, il y a un niveau de prestation, vous allez le voir, vous allez le découvrir, qui est plus élevé. C'est de l'événementiel, il faut que ça soit la fête. Donc on se donne les moyens pour ça, de vous faire rêver. Voilà l'explication. Voilà en gros les différences par rapport à l'édition précédente. Eh bien, merci. Roulez bien, et puis on se retrouve au mois d'août.
de la part du président. Oui, il y a quelques points de règlement qui ont été modifiés. Alors, d'abord, on a parlé de contrôle vélo tout à l'heure devant le château. Arrêté. Le contrôle vélo tel que vous l'avez connu en 2019, où vous veniez la veille montrer votre vélo, vous repartiez avec, c'est fini. Ça, on s'est aperçu que ça ne servait strictement à rien. La lampe qui ne tient pas au bout de 100 km, elle tient le jour du contrôle et puis les 100 km plus loin, elle tombe par terre. Donc les contrôles ne servent à rien. On en a même vu qu'ils montaient leur vélo le jour du contrôle. Enfin bon, on a tout vu. Donc on s'est dit, ça ne sert à rien, on perd du temps. En plus, une fois qu'on est sur la route, on s'aperçoit qu'il y a plein de cyclos qui roulent sans lumière, sans chasuble, sans rien. Donc le contrôle de vélo qui aura lieu devant le château, c'est un contrôle sommaire, ce qui va concerner la présence de l'éclairage et la présence du gilet rétro-réfléchissant. Surtout, c'est ça le plus important, et les freins, parce que c'est quand même utile de pouvoir freiner. Par contre, il y aura des contrôles continus, tout le long du parcours. Et pour ça, on va créer des points de contrôle sur chaque site régional, enfin avec des bénévoles de chaque site régionaux qui connaissent bien leurs points. Alors, c'est des contrôles assistance, hein, bien sûr, vous avez le droit d'avoir des soucis aussi. Bon, voilà, ce qui est très important. Vous savez que être vu, voir c'est bien, être vu c'est mieux. Donc, il y a des gens, je citais tout à l'heure le gars qui vient sur son BRM 300 habillé tout en noir, mais même sur le Paris-Brest-Paris, vous êtes pourtant des gens qui avaient l'habitude de rouler. Alors, ça ne concerne pas forcément les gens qui sont dans la salle, mais. Et pourtant, on en voit qui roulent sans lumière le soir. C'est navrant, parce qu'en plus, vous êtes nombreux, il y a de la circulation, il y a des automobilistes qui commencent à en avoir marre de croiser des cyclos, donc il faut penser à ça, il faut être bien vu, donc on va accentuer les contrôles là-dessus. L'autre point du règlement qui a changé, c'est les prolongateurs. Il y a eu des débats qui ont duré longtemps sur je le veux, quelle taille. Là aussi, on faisait les contrôles. Alors, les contrôles, quand on fait les contrôles, le prolongateur est à la bonne dimension, mais rien n'interdisait le cyclo 10 mètres plus loin de remettre à la taille qu'il voulait. Donc cette fois-ci, on a dit pas de problème, venez avec vos prolongateurs. Par contre, on vous fait confiance. Pas d'utilisation des prolongateurs lorsque vous êtes en groupe, parce qu'il faut quand même pouvoir freiner, surtout quand on est en groupe, hein, pour peu qu'il y ait de l'autre devant et il soit perturbé, il freine brutalement, il faut quand même avoir les mains directes sur les freins pour pouvoir le suivre dans le mouvement, sinon c'est la chute assurée. C'est la seule restriction qu'on vous fait, c'est dire être raisonnable, utiliser les prolongateurs lorsque vous êtes sûr et certain, lorsque vous êtes tout seul, lorsque vous êtes sûr de ne pas provoquer, de ne pas prendre de risques. Voilà. Ça touche à sa fin. On souhaitait vous remercier de nous avoir écoutés tout au long de cet après-midi, enfin cette deuxième partie d'après-midi, pour vous présenter le Paris-Brest-Paris en honneur 2023. Voilà. On est à l'œuvre. On va véritablement essayer de livrer une très belle fête pour cette 20e édition du Paris-Brest-Paris en honneur. Merci à toutes, merci à tous. Bon Paris-Brest-Paris. Ce qu'on a appelé sur le podium, on fait une petite photo de famille, on profite des marches, etc. Le comité opérationnel, les dirigeants d'Audax Club Parisien, Daniel, nos amis Saint-Bernard, là, de la randonnée. La petite blague de Villeneuve-Juel, on a droit aux marches. Thank you.